¡Ta mère! Non, je vais mourir. Cours. Putain, enculé. Et salut tout le monde, c'est Burylays et on se retrouve pour la 25e vidéo sur Tief. On va continuer l'histoire et nous sommes au chapitre je sais plus combien. Journal. Nora Oldal. C'est quoi ça? C'est la suite? De toute façon c'est pas très grave, on va sortir. J'avais laissé des trucs là dedans je crois, et je sais plus quoi en fait. D'accord, nourriture. Nourriture j'avais rien mis en fait. Ah non merde, c'est pour mettre ça, c'est pas pour prendre. D'accord, donc ouais, flèche à grappin. Ok, j'ai un peu. Pourquoi c'est marqué 4, 5? C'est bizarre ça. Je sais pas. Bref. Cet hérétique s'appelle Martin Holloway. Il conspirait avec la vigile du baron pour represser les enthousiastes. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il mérite la main d'Orion ou est-ce qu'il mérite la corde au cou? Qu'il fasse le grand saut! Et quoi ça? J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce truc, c'est normal? Attendez. On va pas comprendre ce qui se passe. C'est bon en fait. Je croyais être revenu dans un moment précédent de l'histoire, mais non en fait. En fait, c'est normal, je crois. Bon, du coup, on va aller où qu'il y a le mot pendu là. Non, avant, on va faire un autre truc. D'abord, on va aller. Non, pas ça. On va la carte. Là, on a un marchand. En haut aussi, un marchand. Peut-être aller en haut. Puis en plus, il y a Basso. Donc, enfin, quoique Basso, non, ça m'intéresse pas en fait. C'est tout le marchand qui m'intéresse. On va aller plutôt là en fait. Je peux pas mettre de machin, c'est dommage ça. Du coup, on passe par là. Vermine, sale bâtard, satané cafard! Il est mort, mon frère. Et ça, ça te fait marrer, cafard? C'est toi le cafard. Toi là-bas, viens par ici.
fois que je prends pas de coups. Ces lumières modernes me donnent la migraine. Vois les choses du bon côté. Au moins on crèvera pas de faim dans le noir. Il parle là. Bon, par contre, pour aller de côté, je sais pas trop comment je vais faire. Monter par là. Allez là, ouais. J'ai passé par ici moi. Ouais, j'avais pas tout pris. Apparemment. Comment je fais pour m'abaisser en oui, comme ça. Ok. Quand même, putain, j'ai de la thune. Bon, je sais que ça va vite partir aussi. Alors, est-ce qu'on gagne plus d'argent au fur et à mesure qu'on avance? Peut-être. Ça serait logique. Ah, de la bouffe. Bah, j'ai bien fait de. J'en ai qu'une de la bouffe. Ah, ouais. Bizarre. En fait, c'est juste une pièce comme ça, ça. C'est pourri. Attendez à ressortir de l'autre côté, moi. Tant pis. Ah, mais faut que je trouve un moyen. Passer de l'autre côté. Peut-être par là. Même si j'y crois pas trop. Quoique. Ah si, il y a moyen de passer de ce côté en fait. Ah, ça c'est bien. Par contre, pour passer là-haut après. Je sais même plus où il est le marchand. Il est là-dedans. Ah ouais, je suis déjà passé ici. Ah non, mais ici il n'y a rien en fait. Ah, il est en bas le marchand en fait. Quoique, peut-être que j'avais pas besoin de faire ça en fait. Je peux pas quitter là. Je peux pas quitter. Genre. Bon, tant pis. C'est un peu con. Mais... Du coup, je vais devoir refaire la même chose. Je pense que je vais quand même attaquer chapitre 6 dans cette vidéo. Ah oui, c'est vrai, il est là le truc. Le problème c'est que... J'ai entendu quelque chose. Il y a quelqu'un ici. Mal de crâne.
Ah va chier putain. Pourquoi ils se dispersent comme ça ces crétins? Oh, je commence à maîtriser, je commence à gérer. Ah, prends ça. Je vais tous me les faire comme ça en fait. Ah, le bâtard. Eh ? Allez, lui me saoule avec son truc. Ah, enfoiré. Il m'a fait galérer lui. Tu es. Oui, ce foutu marchand à la con. Ah, je sais où qu'il est, putain, c'est chiant. Il est là. Je crois qu'on peut passer par là. Ouais. Parfait. Ah, la galère. Et en fait, j'aurais moins galéré d'aller de l'autre côté. C'est pas très grave. Jeter un œil. Alors, qu'est-ce que ça de bon pour moi? Là, j'en prends deux. Ça, j'en prends deux. Une. Enfin, ça, je peux prendre le stock. Ça peut toujours me servir. 15. Flèche grappin, ça j'en prends deux. Ça deux. Flèche d'eau. Ouais, deux. On sert pas tellement. Explosif. Ah. Allez, deux. Flèche de feu, c'est pas mal ça aussi. Ça c'est bien ça. Voilà. 1600 il me reste, ça va. Bon bah du coup faut que je revais là-haut. C'est des mecs sinon. Ah oui, il y a lui là. J'ai pris ce truc là. Ouais. C'est ça, ouais. Ciao. Ouais, c'est ça, il faut que je remonte là-haut. Qu'est-ce que je vais faire? Je descends. Par là. Voilà. Hop. Easy.
Bon, maintenant, on va à la prochaine quête. Enfin, au prochain chapitre. C'est le chapitre 6. Et je crois qu'il faut aller par là. Enfin, je sais même pas si c'est le chapitre 6 ou pas, en fait. Je pense que si, mais... D'accord, ici, je crois que je t'ai jamais venu. Ça me dit rien, en tout cas. Quoique si, je crois que j'étais déjà venu ici. Ah si, j'étais déjà venu. Ça en fait des portes de fenêtres à passer. Bon. Ah bah du coup, il faut aller par là. C'est quoi ça? Il faut faire pour aller là. Ouais. Si, par là, mais c'est fermé. Non, c'est pas très grave. Putain, il y a des mecs là-haut. Citoyens en colère dans les rues. Le baron fait beaucoup parler de lui, pour de mauvaises raisons. Mouais. Ça sent le roi aussi ici. Pas qu'un peu. Ta mère! Non! Je vais mourir! Cours! Putain, enculé! Ah, attends, moi je meurs pas! Ah, bâtard! Ta gueule! Foiré! Ah oh, la vache, j'ai pris cher! Putain, enculé! Putain, la vache! Il fait comme un con en fait. On va aller voir si je trouve pas des soins parce que là c'est mal barré. Hein. Sympa.
Ah, la bouffe, la bouffe. Yes. Ouais, un homme à part, chapitre 6. Allez, c'est parti. Normalement, il nous reste que 3 chapitres. Hein. En comptant celui-là, il reste plus que 3 chapitres. On a fait les... Quand on aura fini celui-là, on aura fait les 3 quarts du jeu. Enfin, du moins de l'histoire. Alléluia. Le bordel. Les dernières lignes de défense du baron sont prêtes pour la horde, mais pas pour moi. Je vais entrer avant que ça dégénère. Super. Encore en mode discret. Ce qui s'annonce pas du tout glorieux. Le clept. Il y a quelqu'un près du chien. Tu vas pas le filer entre les doigts. Non, moi je crois que si. On va laisser une ouverture, mon gars. Merci. Viens avec moi. On aura une meilleure vue sur les jardins. D'accord. Je prends l'autre côté. J'ai vu là-bas. Toi et les chiffres, ça fait deux. Si j'étais intelligent, je bosserais pas ici. Ah, j'ai une petite idée là. Y'a rien du tout. Si ce n'est rien, pourquoi tu t'y intéresses encore? Si je fais pas attention, je vais finir au bout de rat.
Les heures d'entraînement. Je me demande si ça vient tout le système d'eau. C'était pas des bruits de rats, si? Je suis mal barré quand même. Soit je fais Taïwo, ou soit je les bute. Il est là, il y a quelqu'un. C'est chaud. Il faut tenir notre position. On n'a pas d'autre choix. Personne. Alors reprends ta patrouille. On les a sous-estimés. Mieux pas bien rentrer. C'est chaud. Si on se fait submerger, il y aura des coffres de potence à tous les arbres. On s'en tirerait à bon compte. Il paraît qu'à Black Square, les pauvres gars vont ouvrir au couteau de boucher.
C'est tendu. Galérer là, putain la vache. Ça, c'était le plus facile. C'est une grande maison et le baron ne prend pas de rendez-vous ce soir. Pas de son plein gré. Affronter le baron en son étude privée, ok. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là pour la 25e vidéo, je crois. Je sais plus. C'est pas grave. Oui, ça doit être la 25e, je crois. On va s'arrêter là et puis on fera la suite. Voilà, je vais enchaîner avec une autre vidéo. Vu que... Pour ceux qui sont sur le live. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et on se retrouvera pour la suite très prochainement. Et pour tout de suite, ceux qui seront sur le live. Donc à tout de suite.